Une fois de plus, la petite famille princière de Monaco a effectué une toute nouvelle apparition publique qui a ravi de nombreux monégasques. En effet, le prince Albert de Monaco, la princesse Charlène de Monaco et leurs enfants Jacques et Gabriella ont assisté à la finale du Monte Carlo Master en compagnie du frère cadet de la princesse Charlène de Monaco, à savoir Sean Whitstock, ainsi que de ses deux fils, qui ont d'ailleurs été très complices avec les jumeaux Jacques et Gabriella. Pour rappel, Sean Whitstock est le seul membre de la famille Whitstock encore à Johannesburg, après le délit de fuite à Florence, où le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco ont participé la semaine dernière aux célébrations du 160e anniversaire du consulat de la principauté de Monaco dans la capitale Toscane. Le souverain Albert II et Charlène de Monaco sont alors rentrés chez eux pour assister à la finale du Monte Carlo Masters, le tournoi de tennis qui a vu le triomphe du Russe Andrei Rublev. Et dans cette vidéo, nous vous dévoilons tout. Mais avant de commencer, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité sur les familles princières et royales. Nous vous prions de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière de Monaco. Merci. En effet, le spectacle ne s'est pas seulement déroulé sur la terre battue de Roquebrune-Cap-Martin. Dans la tribune également, c'est le couple formé par le prince Albert de Monaco et la princesse qui ont attiré toute l'attention des internautes avec des sourires, des regards compréhensifs et chuchotant leur enfant, le prince Jacques et la princesse Gabriella, déjà âgés de plus de 8 ans. Avec eux, également le frère cadet de la princesse Charlène de Monaco, à savoir Sean Whitstock, accompagné de sa femme Chantal Violette Serfontein et de leurs deux enfants, Raigen et Aïva Grace. Toutefois, les petits-enfants ont fourni de scènes hilarantes, mais ils ont également montré à quel point la famille est proche. En effet, pendant la maladie de la princesse Charlène de Monaco, sa famille d'origine était plus proche d'elle que jamais, et même maintenant que le pire est passé, il préfère passer beaucoup de temps à Monte-Carlo pour éviter que cette dernière ne se sente en quelque sorte seule. Tout d'abord, son frère Gareth, qui est souvent en principauté et qui ne manque jamais un événement, tandis que les parents de la princesse ont quant à eux quitté Johannesburg il y a quelques mois pour s'installer à la Tulbi, une petite commune située entre la résidence Grimaldi à Monaco et le Roc à Guel, qui d'ailleurs le palais où le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco aiment passer leurs loisirs et leurs vacances. Un choix de ne pas laisser la princesse Charlène affronter seule la convalescence, mais aussi de la soutenir dans la prétendue crise avec son mari le prince Albert de Monaco. Pour rappel, le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco ont récemment démenti catégoriquement toute rumeur à ce sujet d'une prétendue crise conjugale, en affirmant que ce sont des rumeurs malveillantes et complètement infondées, colportées par un tabloïd qui assurait que la princesse avait de nouveau quitté Monaco. Non seulement la princesse Charlène de Monaco est bien à sa place, mais elle a de plus une aire de ce qui elle peut compter. La famille, comme elle a toujours souligné, est d'ailleurs son roc. Ainsi, cette apparition de la princesse Charlène de Monaco aux côtés de son mari le prince Albert de Monaco a été perçue comme étant un signe que tout irait parfaitement bien au sein du couple du prince Albert de Monaco et Charlène de Monaco et que ces derniers ne sont en aucun cas dans une situation de crise. Dès lors, en attendant vos revoirs dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de l'attitude du prince Albert de Monaco et de son épouse Charlène lors de ce tournoi de tennis à Monaco. Merci une fois de plus et comme toujours, restez scotchés.